Yeah, let's go. Bonjour, bonsoir à tous. Allez, on continue sur notre lancée. Et tu vas me dire que j'ai plus de y'a rien qui va aujourd'hui. Bon, j'ai plus beaucoup de mules, mais c'est pas grave. Allez, on va en faire 5 par revolver, ça ira très bien. Alors, aujourd'hui, on attaque une série, totalement arbitrairement par celui-là d'ailleurs. On attaque une série de revolvers, puisqu'on m'a demandé des revolvers. En 357 Magnum, il y en aura 3 et ils sont tous en 357. Alors, le premier, c'est un Smith & Wesson, c'est un 13-2 en 357 Magnum avec canon court. J'aime beaucoup la poignée, je crois que c'est une poignée Ruger, mais enfin bon, bref, peu importe. Allez, testons ça. Donc, 357 Magnum, a priori, tout le monde connaît. Ça, c'est un 6 coups. Mais je ne vais en mettre que 5 parce que je suis raide en mule et j'ai pas le temps d'aller en chercher d'autres. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, cible de droite. Alors, on n'est pas extrêmement bien, je trouve, sur la poignée. Je suis obligé de tordre le doigt, ça m'agace. Mais on est vraiment bien dessus, elle est très ergonomique. Hein. Ah, ça tape. Ça tape. Dans un truc comme ça, j'admets, ça tape. Ok, une main. Aïe! Merde! À gauche! Ah là, le 357, on le sent bien! Hein. Ah! Putain, puis ça fait un bordel! Combien il m'en reste? 2! Allez, on va faire du. on va faire du tir rapide! J'ai vraiment pas envie! Aïe! Alors, ce bus qui est super. Mais il est super mal placé et ça blesse un peu la main. Ouais, le 357, là-dedans, on le sent. Hein. Sincèrement, j'ai connu des revolvers où on le sentait moins. Vous doublez, vous triplez largement la sensation que vous avez dans un 686 ou un truc comme ça, par exemple. Eh ben, ouais, non, mais c'est bien. Bon, alors, c'est n'importe quoi parce que je sais pas comment il est réglé. En fait, il est pas réglé puisque tout est fixe. Parce que là, c'est chelou, hein. J'en ai mis une à 15 cm à gauche, une pile en dessous. Une 15 cm en haut, une 50 cm à droite et l'autre 70 cm en bas. Faut m'expliquer là au bout d'un moment. Bon, je suis pas un extraordinaire tireur, mais enfin je crois que vous avez vu que ça va à peu près. Les mules ne conviennent peut-être pas, c'est du sellier vélo FMJ, mais enfin bon, si le SCB convient pas, bah. Vous connaissez l'adage, hein. Fais pas le taf avec des munitions de merde, tu mérites pas les bonnes. Hein. Bon, ouais, bref, c'est rigolo. Ne serait-ce que pour la sensation, c'est assez rigolo, fun. Bon allez, amusez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao !